Vous êtes sans doute dans les derniers préparatifs de Noël. Il ne faudra pas oublier le petit encas du Père Noël. Ah, la magie qui entoure les fêtes de fin d'année, nous, on adore. Retrouvez toute la famille, ce moment de partage qui nous fait à tous de merveilleux souvenirs. Que diriez-vous d'un dessert festif? Découvrons ensemble la recette du jour avec le jeu de mercredi. Waouh, ça s'annonce bien gourmand. On se lave les mains et direction cuisine. Pour le glaçage, il faudra 2 feuilles de gélatine, 85 g d'eau, 110 g de sucre, 65 g de crème liquide et 40 g de cacao en poudre non sucré. Je mets les feuilles de gélatine à tremper dans un récipient d'eau froide. Dans le bol, je mets l'eau, le sucre, la crème et je programme 11 minutes Varoma vitesse 2. J'ajoute le cacao et je mélange 30 secondes vitesse 3. J'ajoute la gélatine soigneusement essorée, puis je mets à dissoudre 10 secondes vitesse 3. Je réserve au frais dans un récipient. Pour le sorbet, il faudra 450 g de mandarines congelées en quartier, 70 g de sucre glace et une cuillère à soupe de rhum. Dans le bol, je mets les quartiers de mandarines, le sucre glace et le rhum. Je mixe 30 secondes vitesse 5. Je transvase dans une poche à douille et ça part au congélateur pendant 1h30. Pour la crème glacée, il faudra 3 œufs, 100 g de sucre, 250 g de mascarpone et 2 cuillères à café de cacao en poudre. Je sépare les jaunes des blancs. Dans le bol, je mets les jaunes d'œufs et le sucre. Je mélange 30 secondes de vitesse 4. J'ajoute le mascarpone et le cacao. Je mélange 20 secondes de vitesse 4. Je réserve la préparation. Dans le bol, j'insère le fouet et y monte les blancs en neige 3 minutes vitesse 3,5. J'ajoute la préparation et mélange à nouveau 10 secondes vitesse 1. Je transvase la moitié de la crème dans un moule à bûche et je trace une gouttière dans le chocolat. Ça part au congèle pendant 1h30 environ. Je réserve l'autre moitié au frais. Au bout de ces 1h30, je garnis la gouttière tracée dans le chocolat avec le contenu de la poche à douille. Je couvre ensuite avec le reste de crème au chocolat. Ça part au congèle pendant 5 heures. Dans le bol, je verse le glaçage réservé et réchauffe 4 minutes 50 degrés vitesse 2. Je laisse reposer 5 minutes. Je nappe la bûche glacée et place les décorations de mon choix. La main
mandarine se marie hyper bien avec le chocolat. C'est vrai. J'ai hâte de passer à la dégustation. Profitez bien de ces moments de joie et de bonheur. Nous vous souhaitons un merveilleux Noël. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.